Et si l'automne s'avère particulièrement humide, nous verrons la mousse se répandre sur tout le tronc. Ah ! Ha ha ! Un affreux espion ! Le rappeur Zapper doit l'éliminer ! Hop là ! Mais arrête, Lucas, lâche-moi ! Le rappeur Zapper est le roi de l'univers ! Insupportable, Lucas. Mon petit Émile, j'ai quelque chose pour toi. Ah, elles sont super dits. On va se promener, comme ça je pourrai les essayer. Une promenade? Oh non, non! Mais si, on va tous aller se promener. Non, non et non. Oh, on part en promenade et tu viens avec nous. Non! Pas de pluie, pas de vent, ni de neige, ni de grêle. Quelle poisse! Pourquoi les parents ne disent jamais des choses du genre « Lucas, file devant la télé ou tu vas rater ton marathon rappeur zapper !» Non, au lieu de ça, ils débarquent et ils vous disent « Ah !» Allez, Lucas, on va se promener. J'ai bien vu que tu étais là, je ne suis pas idiot. Écoute, je ne peux pas aller me promener, je vais rater le rappeur zapper. Lucas, ne dis pas de bêtises et va vite dans la voiture. Oui! La voiture? Pourquoi il faut qu'on prenne la voiture? Le parc est à deux pas d'ici. On avait envie d'une vraie promenade. On part à la campagne. Oh, quoi? À la campagne? Oh, mais là-bas, il y a des bêtes! Des poulets mangeurs d'hommes! Et si on allait au parc, comme d'habitude? Non et non, ne discute pas, Lucas. Moi, je vous aurais prévenu, il faudra pas venir pleurer après. Il nous avait mis en garde. J'aurais cru qu'un poulet ne ferait qu'une bouchée de notre Lucas, chéri. Je ne toucherai plus jamais à une omelette de ma vie. Lucas, monte! Je refuse! Je suis un citadin, moi, non mais... Reviens ici tout de suite! Oh, tu montes, tu boucles ta ceinture et tu essaies d'être sage pour une fois! Oh, regardez! Une tourterelle sauvage! Allez, sors, Lucas! Tu peux pas m'obliger! Très bien! Mais chaque pas effectué sans toi équivaudra à 5 centimes de moins sur ton argent de poche. 5 centimes de moins, 10 centimes de moins, 15 centimes de moins, 20 centimes de moins. Je suis en train de rater le rappeur zapper pour ça. Surtout, c'est le petit cochon. T'aurais pu te retenir quand même. Maman, Lucas a dit que je sentais pas bon. Tu es insupportable, Lucas. Au lieu d'embêter ton frère, aide-le à trouver un projet pour sa classe de sciences naturelles. D'accord.